Concéntrese en el mensaje, póngale la mano en el hombro. Concéntrate en el mensaje, mírame su tu voisin. Dígale al que está a su lado. Dile celui qui est à côté de toi. Sin Dios. Sans Dieu. No sirves ni para el diablo. Tu ne sers même pas pour le diable. Lugar que aprecio y amo. Moi, aujourd'hui, je suis là dans ce lieu que j'aime beaucoup. No porque sepa, no porque tenga capacidades. Non pas parce que j'ai des capacités. No porque considere que soy mejor que otros. Non pas parce que je suis meilleur que d'autres. Sino porque es la gracia la que me hace estar de pie aquí. Et c'est la grâce de Dieu qui me fait tenir debout ici. ¿Y sabes por qué estoy hoy aquí de pie? Et tu sais pourquoi je suis aujourd'hui debout ici? Porque separado de él. Parce que séparé de lui. No soy nada. Je ne suis rien. Y dice que el que está en Cristo Jesús, es celui qui est en Christ Jésus, mucho fruto lleva. Il a beaucoup de fruits. Yo te pregunto, moi je te demande, o mejor pregúntale al que está a tu lado, ou demande à celui à ton voisin, ¿dónde están tus frutos? Où sont tes fruits? Pregúntale, ¿eres árbol seco o árbol con frutos? Demande, ¿tu es un árbol seco o un árbol avec des fruits? Porque todo el mundo en los países donde voy, parce que tout le monde dans les pays où je vais, mira los frutos del pastor. Et regarde les fruits du pasteur. Mira los frutos de los líderes. Les fruits des leaders. ¿Y has considerado los tuyos? Est-ce que tu as considéré les tiens? ¿Has mirado si tú tienes frutos? Tu as regardé si toi tu as des fruits? Jesús tuvo hambre, dice la escritura. Jésus a eu faim, dit l'écriture. Y se acercó un árbol. Il s'approchait vers l'arbre. Pero dice que movió el árbol. Il a secoué l'arbre. Y el árbol solo tenía hojas. Et l'arbre n'avait que des feuilles. Mira, lo más triste que puede pasar. Le plus triste qui peut arriver. Es que pasen 10 años. C'est qu'il arrive 10 ans. Y tú estés igual. Et tu sois pareil. Póngale la mano en el hombro otra vez al de al lado. Mets la main sur ton voisin. Dígale al que está a su lado. Dis-lui à ton voisin. Si ves que me falta algo. Si tu vois qu'il me manque quelque chose. Es que estoy en construcción. C'est que je suis en construction. Dile, si ves que me falta algo. Si tu vois qu'il me manque quelque chose. No me critiques. Ne me critique pas. No me investigues. Ne me investigue pas. Porque voy a dar fruto grande para el Señor. Dale un aplauso grande. Nabot se paró con convicciones. C'est arrêté avec des convictions. Una vez fui a un lugar a predicar. Une fois je prêchais. Y me agarraron unos diablóconos. Et il y avait des diablóconos qui m'ont pris. Y ellos me dieron una orden de parte del pastor. Ils m'ont donné un ordre de la part du pasteur. Me dijeron, hoy le toca predicar a usted. Ils m'ont dit, aujourd'hui c'est à toi que tu dois prêcher. Por favor, suave. S'il te plaît, sois calme. Tranquille. Tranquille. A ver, haga conmigo. Tranquille. Y me dijo, no hable de pecado. Ne parle pas de péché. No diga tan directo. Nous serons toujours mauvais. Haga las cosas bien. Que tu fasses les choses bien. Las hagas más o menos. Ou que tu les fasses moins o las hagas mal. Ou que tu les fasses mal. Nunca van a considerarte como de Dios. Ils ne vont jamais te considérer comme un homme de Dieu. Pero habrá gente que nos va a amar. Mais il y a des personnes qui vont nous aimer. Póngale la manito en el hombro al de al lado. Mets la main sur ton voisin. Dígale con tus manias y todo. Dis-lui même avec tes manies. Con tu carácter podrido y todo. Avec ton caractère pourri et tout. Te van a amar así. Esa es la gente que vale. Den un aplauso. Alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios.
separó al rey. Menabot se ha separado qua. Y le dijo las cosas en la cara. Il a dit les choses devant. Le dijo, guárdeme Dios de darte la heredad de mis padres. Que Dieu garde de te donner l'héritage de mes pères. Sabes, hay mucha gente que quiere lo tuyo. Il y a beaucoup de personnes qui veulent les choses à toi. Hay mucha gente que anhela lo tuyo. Beaucoup de personnes qui désirent des choses. Pero no están dispuestos a trabajar lo suyo. Mais ils ne sont pas disposés à travailler leurs choses. Mira lo que me pasa con un misionero. Regardez avec un missionnaire, c'est peut-être arrivé. Me dice así que usted va a recorrer toda América. Il me dit que vous allez parcourir toute l'Amérique. Sí, le digo. Et moi je dis oui. Va a recorrer todas las naciones. Parcourir toutes les nations. Sí, le digo. Oui. ¿Y qué problema hay que yo vaya atrás en otro camión? Et c'est quoi le problème que j'aille prendre dans otro camión? Alguien diga gloria a Dios. Y le digo, qué fácil que es así. Moi je dis c'est facile, c'est comme ça. No hay que trabajar. Il ne faut pas travailler. El mundo es grande. Le monde est grand. Me acuerdo cuando recibí un pastor de Colombia. Quand j'ai reçu un pastor de Colombia. Lo recibimos en nuestra iglesia. Nous l'avons reçu dans notre église. Como el pastor Minique me dio su lugar. Como le pasteur a fait avec moi, il m'a donné le lieu. Nosotros le dimos el lugar al pastor de Colombia. Nous avons donné la place au pasteur. Todo el cariño de la iglesia. Tout l'amour de l'église. Él vino por tres días. Il est venu trois jours. Y resulta que poco a poco il a que petit à petit, empezó a llevarse gente de mi iglesia. Il a commencé a venir des personnes de mon église. Primero se llevó uno. Il a amené premièrement une personne. Después se llevó otro. Après une autre personne. Después se llevó otro que le tendría que haber dado gracias. Après d'autres que j'aurais dû remercier. Y se llevó otro. Il a amené des personnes. Al que tenga yaya. Y se llevó varias personas. Il a amené plusieurs personnes. Y puso iglesia. Il a mis une église. A cuadras de donde estábamos nosotros. C'est facile de faire quelque chose qu'on a déjà travaillé. Mais Caleb dit, je vais à la montagne où il n'y a rien. Je vais à pelear où il n'y a rien. C'est facile de voler le premier qui est déjà alimenté. Mais pourquoi ne vas-tu pas casser les lobes et les transformer en ovelles? Mais pourquoi tu ne vas pas devoir prendre les loups? Es como una vez un hermano me dice, la iglesia va prosperando. Y fue un frère me dice, la iglesia va prosperando. Entonces cuando yo empiezo a mirar, alors, quand moi, je le regarde, eran los mismos. C'était les mêmes. Y yo le digo, así que va prosperando. Pues yo digo, ¿cómo la iglesia prospera? Va prosperando. Oui, elle prospera. Yo empiezo a mirar y eran los mismos. Je regarde, c'était les mêmes personnes. Pero de repente empecé a mirar a las mujeres. Mais du coup, je regardais les femmes. Y todas estaban embarazadas. Et toutes étaient enceintes. Y le digo, va prosperando, sí, pero hay una que espera trillizos. Je dis, ça peut faire, oui, il y en a d'autres qui attendent des triplés. La iglesia no prospera porque tenemos hijos. L'église ne prospère pas car nous avons des enfants. La iglesia no prospera con robarle armas al del rebaño de al lado. Quand tu vas prendre de voler des armes à côté, de la parcelle à côté. La iglesia prospera cuando nuestra alma prospera. L'église prospère quand notre âme prospère. Que prospere tu alma para que todas las demás cosas también prosperen. Necesitamos convicciones. Nous avons besoin de convictions. Necesitamos estar parados en la verdad. Nous avons besoin de donner la parole de vérité. Me dice una persona. Une personne me dit. Usted va a recorrer toda América. Vous allez parcourir toute l'Amérique. No sabe que están los celtas en México. Vous savez que il y a les celtas en América. Diga conmigo sí. Sí. Oui. No sabe que están los maras. Vous savez que ils arrêtent les voitures et ils volent les personnes. Portan cabezas y brazos con hachas. Ils coupent les personnes, les têtes. Diga conmigo, sí. Oui. Et no sabe que en Perú no hay seguridad policial. Et tu ne sais pas qu'en Perú il n'y a pas de sécurité policière. Diga conmigo, sí. Oui. Et me dice, y no sabe que en Brasil está complicadísima la situación. Et vous ne savez pas qu'en Brasil la situation est compliquée. Y usted va a recorrer toda América. Et vous allez parcourir toute l'Amérique. Oui. Y en un momento lo miro y le digo, hermano. Et à un moment donné, je le regarde, je lui dis, frère, tengo que darte una noticia, hermano. Je dois te donner une nouvelle. Acabas de dejar sin trabajo al diablo. Tu viens de laisser sans travail le diable. ¿A quién habla de Dios? Est-ce que quelqu'un va adorer Dieu? Y él me dice, ¿cómo que acabo? Claro, porque yo no necesito un desanimador. Il me dit, oui, parce que je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me décourage. Yo necesito a alguien que me diga que lo voy a lograr. J'ai besoin de personnes qui me disent que je vais réussir. Yo necesito a alguien que me diga, hermano, donde estés, voy a orar por ti. J'ai besoin de quelqu'un qui me dise là où tu vas être, je vais prier pour toi. Hermano, donde estés, mi familia te llevará en oración. Là où tu vas être, ma famille va prier pour toi. Si yo empiezo a ver todos los contratiempos. Si moi je regarde toutes les contradictions. Son muchos. Il y a beaucoup. Nabot se paró.
valorando la herencia. Mira, valorizar su heritage. Mira, gloria a Dios por todos los ministerios reconocidos en el mundo entero. Gloria a Dios por todos los ministerios que son reconocidos en el mundo entero. Pero más gloria a Dios. Mais plus gloire à Dieu. Por nuestros antepasados. Pour nos ancêtres. Que nos enseñaron la verdad. Qui nous ont enseigné la vérité. Que nos dijeron cómo teníamos que servir a Dios. Ils nous ont dit comment nous devions servir Dieu. Nabot valoró a Caleb. Nabot valorisé à Caleb. Valoró el ADN que estaba dentro de él. Il a valorisé l'ADN qui était dedans de lui. Y no se dejó vender. Il ne s'est pas laissé vendre. Sabes, el diablo te quiere comprar. Le diable veut t'acheter. Te quiere comprar con desánimo. Il veut t'acheter avec le découragement. Te quiere comprar con chismes baratos. Avec des choses qui ne sont pas chères. El diablo quiere dividirte. Le diable veut en medio. Te diviser, te partager. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes. Parce que ce que tu as. No lo tienen ellos.